tous matchaient. C'est vrai qu'il y avait un sacré monde autour des cours. Et Clem, tu te souviens des barrages de Sainte et Algarst, la victoire de l'an dernier? Contre Romed? Ah oui, exactement. Non, ça ne me dit rien, non. Justine? Si je voulais revenir voir, on aura le droit de Limousin cette année. Ouais. Tu te souviens de la jeunesse des Ultras? Oh putain, un certain 29 mars 2013, face à Rouen. Exactement, à 8 Ultras, on avait tenu en respect tout le COP de Rouen. On avait juste les voix, aucune fanfare. Rien. C'était terrible ça. Et après dans les gymnases? Oh les pom-pom! Oh le vol! Oh là là! Oh là! Et tu te souviens ou pas les lancers froids d'air? Ah, les petites chorégraphies qu'on faisait en dessous? Ils ont tout loupé! Ils ont tout loupé! Terrible! C'est grâce à nous ça! Match contre Rouen, dernier match de la journée, on joue notre place en finale. C'est incroyable! Et là, les supporters de Bordeaux qui s'allient avec Marseille, Rouen avec Reims, il y avait au moins 1000 personnes dans le stade, c'était incroyable! C'était vraiment, vraiment énorme! Liberté pour les ultras! Liberté pour les ultras! Mettez 4 cafés. Et 4 cafés! Tu sais ce qui t'est arrivé? Ah, mais vous êtes pas au courant? La grosse pivot de Reims est tombée dessus. Oh putain, alors cette année les meufs on les défonce et le trophée. Je crois qu'on a gagné aussi, non? Ah bon? Ouais, il y a 3 ans. Enfin bon, on avait une super ambiance et des supporters à don, donc c'était trop bien. Chibon, oh le vrai supporter au challenge, c'est vraiment génial. Une ambiance d'hommes, on s'est bien rapprochés, la promiscuité, hein. C'était cool tous les deux, hein. Ouais. On a dormi ensemble. Qu'est-ce qu'on s'est envoyé après Beckerman? Oh là là.